C'est pas possible. On a mesuré deux fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah! Bingo! Ni vu ni connu. À la cantine, alors! Oh. À l'occasion du nouvel an chinois, Monsieur Ming Lifu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main, ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Mmh. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril, aïe! Monsieur Ming Lifu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du kung-fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Hein? Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, j'en libère retour. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Ça va l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Lifu pas pu résister. Bonnie, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, Mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il n'a pas l'air de bluffer, là.
Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Décolle jamais! Aidez-moi! 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 Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif! Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice! C'est pas juste! On est libre. Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Poté. Tu vas réveiller tout le monde. Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissait un moyen de calmer Papous agités, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Ah, attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Tu fais bien la petite chanson du lala. Est plus fort que vrai faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Mmh. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. Ah, cheval chéri, à pile, les deltons. Hop, au trop. Au galop, au galop. T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences. Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme? Elle est vite. Bon, on se tire maintenant. Oh là là.
tantôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert. Et si on abandonne son fils aux coyotes, et Lou Cinglé nous en voudra à mort. Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment, bravo. C'est... Bon, mais on va vous laisser en famille, hein. Au revoir. Grand sorcier Alernier est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... on a eu une évasion sur le feu. Lou Cinglé insiste. Visage pâle auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Lou Cinglé est plus rusé qu'un Sioux. Il a fini par trouver la solution. Oh, quelle douce atmosphère de franche camaraderie. Miss Betty, notre petit rayon de soleil. De nouveaux détenus? Un seul. Un dénommé Louis. Bonjour, je m'appelle Lou. Lou? Mais non, ils ont mis Louis. Je suis le directeur. Et c'est quoi son petit nom? Monsieur Peabody, mais vous pouvez m'appeler Georges. Ah, d'accord, je vois. Pardon? Non, non, rien, mademoiselle Coyote. Pas Coyote, Lou. Valise? Trou creusé? Check. Vêtements civils? Check. On est bon, Joe. Oh, Joe? Joe, on y va? Non, on annule tout. Je m'as cassé un ongle. Laissez, je vais le faire. Ça suffit, corvette patate pour tout le monde. Allez, hop, en cuisine. Vous permettez? J'aime l'exercice à l'occasion. Vous permettez? Et quel muscle! Il a dû y avoir une méprise dans votre dossier. Ici, il n'y a que des hommes. Ça ne me dérange pas. J'aime les hommes. Pas vous.
tes parents? Comment tu t'appelles? Joe. Joe Dalton, madame. Joe Dalton? Enchanté. Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Oh, comme tu es fort, Joe! Tu m'impressionnes. Dis, Joe, toi qui es si malin, t'as bien un plan pour s'évader? C'est que... on est complet. Bien sûr, si tu préfères rester entre vieux garçons. Mais c'est eux ou moi? Hey Joe, c'est quand qu'on s'évade? Plus tard. Continuez sans moi, je vais prendre l'air. Du calme, Joe. T'es un génie, Joe. Quand c'est qu'on mange? Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Joe, il faut partir d'ici, vivre libre, ensemble. Oui, mais... et mes frères? Ils sont grands, il faut que tu penses à toi. À nous, juste tous les deux, toi et moi. Vous savez que je vois clair dans votre petit jeu. Un jeu? Je ne vois pas de quoi vous parlez. De toute façon, on vous transfère demain. Bye bye, coyote. Transféré? Joe, il faut nous évader, cette nuit. D'accord. Un tunnel. Et une fois que nous serons loin, on récupère ton magot et direction l'Europe. Mon magot? Quel magot? J'ai pas de magot, moi. C'est toi, mon trésor. Pas de magot? Oh! La sortie! Joe est parti sans nous. C'est la fille. Une fille? Quelle fille? Désolée, Joe, mais tu restes. Mais Lou, tu disais qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche. Je préfère vivre de luxe et d'argent frais. Joe? Tu t'évadais sans nous? Elle est où, la fille? Pas du tout. C'est un plan. Faites-moi la courte échelle. Un plan, ouais. C'est ça. Lou! Tu peux pas me faire ça. Si, j'avais raison. C'est bien Coyote que tu t'appelles. J'étais sûre que si tu pensais être transférée demain, tu voudrais t'évader ce soir. Alors je ne suis plus transférée? Tentative d'évasion? Maintenant, si. Lou, tu m'avais promis. Lou, tu m'avais dit. Non, c'est à moi que t'avais dit. Lou, c'est moi, ton petit canari. Moi aussi. Bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, vous allez pouvoir reboucher tous ces tunnels. Toi qui voulais te retrouver seul, on te laisse. Ça fait mal, l'amour. La préhistoire. Quelle période digne de fascination. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements? Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souffre-t-il, docteur? C'est ignace qu'ils avaient à l'époque.
Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitencier va devoir s'y mettre? Ah, préhistoire, préhistoire, c'est quoi ces idées à la noix? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Peabody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non? Ah! Elle est géniale, la mode cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous voyez ce que je vois? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe? Parce que des fusils, ça tire de loin, pas des massues. Et donc? Je vais te montrer la différence. Ah, ça, c'est une massue. Une massue. Ah oh, ouais, les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça, on abîme le matériel? Aïe! La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre? Monsieur Peabody, c'est magnifique! Hé, hey Joe! Mais c'est toi! T'as vu? Je t'ai reconnu tout de suite! Aïe! J'ai un nouveau plan! Tous ces imbéciles ont le dos tourné. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu! Dalton, on joue avec le feu? Oh, c'est pas avec vos chouchous que vous allez nous arrêter. On avait gardé cela au cas où. Mais comment ils ont pu découvrir mon plan? Oh, j'y crois pas, cet imbécile l'a décidé sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas, Joe? Abruti! J'ai enfin réussi. Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier? Atelier couture. Couture? Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser des cailloux qui se cassent pas. Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan. Eh, hey, salut les filles, moi c'est Rentonplan. Du haut de ce chef-d'œuvre, la liberté nous contemple. Toi, Joe, t'es un poète. Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr. C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se carabatte. C'est quoi ce truc? Il a disparu! On l'a eu! Youhou! Oh
mon Dieu, il va faire une mauvaise chute. La falaise. Freine, Dio, freine. Et y a pas de frein. Tiens, rentre au plan. Qu'est-ce que tu fais là? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur. Miss Betty. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable. Rentrons, voulez-vous? La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain. Zut, les fondations du Pelitanski. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand ce frigo? Oh, une grande glace, miam. Les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Oh, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner les gars, ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir. Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell. À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non! Au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste! Attaque-le! Pic, pic, pic! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ah!
dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Edjo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yatouti! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah ben non! C'est trop marrant quand il vole! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couchez! Vole! Pose-toi! Vole! Couchez! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentille avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau. T'es un bon dragon. Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague. L'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, ben, c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Non, oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, oh, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage. J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oh! Monsieur Peabody? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et
voilà. Adieu, pénitencier. Aïe. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vos... Oh, mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hockey! C'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose! Fais-leur peur, homme presque invisible! Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser! Il est un croque-mort! Il rigole pas! Il est trop triste! Bon, on se marre ou on s'évade? Voilà, c'est un hockey contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui! C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz! Passe à douiller! Ils ont la clé! Arrêtez-les! L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je ne vois pas du tout ce qui est de drôle. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Chut. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît. Vous êtes un personnage célèbre. Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? Ben, j'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder.
Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? C'est formidable. Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté. Ah, les Indiens attaquent. J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty. Vous avez vos vacances. Mais rendez-moi mes Dalton. Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre. Libre si on veut, on est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu, il faut demander plus. Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 dollars en vie de coupure, ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril, on s'en occupe. Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va l'avoir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Mais je veux dire des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Hein? Ah non, là elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant. Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la, je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien, je l'avais complètement oublié. Hein? Pardon, mesdames. Peut-être rose, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte.